après-midi, pendant que nous étions au Conseil des ministres, nous avons enregistré deux premiers cas de coronavirus sur le territoire national. Le gouvernement a demandé tout le monde de rester calme et puis respecter toutes consignes autorité sanitaire. Nous prenons note des ampilles initiatives globales qui viennent mettre sous pied à travers OMS et OPS. Gouvernement, pour protéger la population, on a trié décision dans le cadre de la phase 1 pandémie. Je dis, il y a deux cas de monde qui ont un coronavirus là, nous passons automatiquement dans la phase 2. Dans affaire coronavirus. C'est dans ce sens ça, l'État n'a plus haut niveau décidé déclarer état d'urgence sanitaire sur tout territoire national. Nous décidons de fermer toute l'école, cette formation professionnelle à l'université à partir de demain vendredi 20 mars. Deuxièmement, l'État prend disposition pour fermer toute factory à partir de vendredi 20 mars. Le gouvernement déclaré couvre-feu dans tout pays à partir de vendredi 20 mars, sorti 8 heures à soir pour arriver 5 heures dans matin. Nous mettons sous pied un conseil scientifique qui pour éclairer décision publique. Le gouvernement, dans ce qui vient avec lutte contre pandémie coronavirus là, l'État l'y interdit sur tout territoire national, toute rencontre, toute réunion, rassemblement qui dépassait 10 moun. D'ailleurs, nous sommes parlé, nous sommes dit dans le Conseil des ministres là, pour assurer continuité dans le service public là, et pour protéger employés de l'État yo, dans le cadre de l'aide gouvernement à mener contre la pandémie du coronavirus, nous avons demandé à tout ministre, tout directeur général et responsable de l'organisation publique pour prendre toute disposition pour faire respecter la distanciation sociale. Ça veut dire qui ça? Nous avons Jean-Ministre qui est là avec le secrétaire d'État. Ce n'est pas qu'on s'en aller dans l'État. Chaque monde a prêté à 1,50 m de chaque monde. Gouvernement a décidé pour gagner une rotation hebdomadaire dans le niveau 50% personnel de l'État dans le service public non essentiel. Surtout, ça a fonctionné dans un local qui n'a pas en pile espace. Mais l'autre 50% a fait télétravail. L'État a toujours payé. On a demandé tout pour qu'il ait toujours été disponible. Nous mettons sous pied. Il y a un groupe de travail spécial pour analyser et puis faire recommandations à gouvernement. Mais il qui pour permettre de faire face à l'impact économique pandémie coronavirus là à côté. À partir de minuit à soir, tout port, tout aéroport, frontière, Jean gouvernement a annoncé à fermer jusqu'à nouvel ordre pour transport moun. Nous voulons clair pour tout le monde. Transport marchandises, ni dans port, ni dans airport, a toujours ouvert. Machine qui a transporté marchandises dans le port, yo, seulement, je ne vais pas parler de ni en frontière, tout, seulement deux moun. Pour bateau, c'est seulement mon équipage là qui pour dans le bateau, yo, ni dans l'avion qui a transporté marchandises. Yo. Moun qui fait partie des populations à risque, tout coup, moun qui souffre maladie sik, moun qui souffre maladie sida, qui a un problème pour respirer, tout coup, oppression, problème tension, moun qui a maladie chronique, faut yo prend en pile précaution et n'a mandé administration côté travail yo pour aménager un horaire de travail spécial pour yo. On veut parler de ni administration privée ni administration publique. L'État, à travers le ministère du Commerce, a commencé à prendre grosses sanctions contre
tout le monde qui a fait machine noire avec médicaments et puis produits d'hygiène. Et sans nous pas oublier, produits alimentaires. L'État a mobilisé toute force publique pour renforcer mes sécurité à toute décision nous annoncée aujourd'hui. Dans le cadre mobilisation contre la pandémie coronavirus, le gouvernement a remercié vaudouisant, le secteur privé, ONG, la société civile, l'Église catholique avec l'Église protestante, organisation quartier, parti politique, la presse et la trier.